Ah, je te vois. Hop, je suis là dans la voiture noire. Vas-y, monte. Mais monte dans la voiture où je suis. C'est toi là? Putain. Bah ouais, c'est moi. Je te vois pas, y'a personne dedans. Tu me prends pour un con quoi? Monte! Allez, putain! C'est qui? Mets-moi un point sur la map. Voilà. Ah, nickel. T'as mis ta ceinture? Je sais pas pourquoi, mais c'est un troll. Oh, qu'est-ce que tu fais? Reviens, pourquoi tu rentres dans ta voiture? Vas-y, qu'est-ce que tu fais? T'es pas là, arrête tes conneries. Mais ça va, si je serais pas là, comment je te verrais? Mais je sais, t'es planqué quelque part. Ah. Enfoiré. Enfoiré. Mais arrête, mais non, mais arrête de me faire crever, putain, Raoul, abuse pas, j'ai 20 000 balles sur moi. Bon, Raoul, il a voulu m'avoir. Moi, je vais lui montrer que s'il veut troller, eh, ça va pas être comme ça se passe. Je viens de me taper 30 minutes là à l'hôpital. Écoute-moi, Raoul, tu vas payer les conséquences. Oulala. Ça va, monsieur? Vous voulez que j'appelle un médecin? Je crois qu'ils arrivent. Aïe. Je souffre. Excusez-moi, monsieur l'agent. Hey, bonjour. Bonjour, je crois qu'il y a quelqu'un à l'entrée du Comico là-bas, là, qui est en train d'agoniser par terre. Il est encore là. Il est au Comico. Ah, je l'ai oublié, celui-là. Ah oui. Mais bon, monsieur, ça arrive. D'accord. Ah, je suis là. Ah oui, ok. Ok, j'appelle les ambulances de suite, hein, monsieur. Mais j'ai dû protéger ses amis, là. Donc, je reviens pour lui, ouais, c'est vrai. J'ai appelé une ambulance. Vous m'avez l'air bien surchargé ce soir, non? J'ai le temps de prendre une plainte ou pas? J'ai reçu des balles. J'ai reçu des balles, là, je suis obligé de protéger des citoyens. Et... Ouais, bah, je vais pas vous embêter, je vois que vous êtes surchauffé. Bonjour. Non, y a pas de bonne soucis. Soirée. Ouais, mais je vais pas vous embêter avec des. C'est pas grave. Mais non, si vous aviez une demande, y a pas de soucis. C'est bon, c'est un peu plus calme. Ah, c'est juste parce qu'il y a un ami à moi là. Depuis qu'il est revenu de la guerre, il va plus très bien. Il a comme un pet au casque en fait là. Et il a vraiment des très gros problèmes. Il faudrait l'enfermer ou je sais pas moi. Vraiment, il est très agressif envers tout le monde et je sais plus quoi faire avec lui. Ouais. Alors, je crois que je vais venir avec vous alors. On va aller le voir ensemble. Bah là, je sais pas où il se trouve actuellement, mais je peux vous l'envoyer. Ouais, d'accord. Bah, je repasse alors. Hein. Je vais essayer de le convaincre de venir. Si vous avez besoin d'aide, s'il veut pas venir, vous avez besoin d'aide, je peux intervenir. Hein. Vous m'appelez et j'interviens. Ok, ouais, mais je vais essayer de venir. Je veux venir, vous en faites pas. D'accord, bah, je suis là. Je vous remercie. Je vous dérange pas plus longtemps. Ouais. Merci. Non, vous me dérangez pas du tout. Hein. Ça va, je repasse. D'accord. Hop, pardon. Ah, pas grave. Alors Raoul, tu vas déguster, moi je te le dis. Tu vas monter avec moi, je vais te faire descendre devant le Comico. Et... je pense que... Voilà, on se retrouve quand je vais essayer de le choper là. Ah, mais en charge de voiture, elle est morte celle-là. Okay. Vas-y, viens, prends celle-là. Vas-y, y a le petit jeune d'hier, y a le jeune d'hier là-bas là. Tu te rappelles des flics là? L'autre? Barbichette? Viens, on met la voiture là. Vas-y, on y va, on va être trempé. Voilà, je voulais ramener, vous le faites un petit dégrisement. Ah, il arrive. D'accord, ok. Voilà. Il est là, voilà, il a besoin d'une petite thérapie là. Qu'est-ce qui se passe? Il va résister, mais je... Non, ça c'est pas vrai. Je fais ça pour ton bien, Raoul. Je fais ça pour ton bien.
Non, monsieur, écoutez-moi. C'est plus supportable, Raoul. Ce jeune homme, quand je suis arrivé en ville, a essayé de m'écraser et a essayé Vous de Vous trouvez pas même sa voix agaçante? Sa voix, elle est agaçante, même ça. Non, mais arrête tes conneries. Moi, je vais mettre en isolement, hein, monsieur. Faudrait le mettre en isolement. Hein. C'est quoi ça, il regarde dans la même veste. C'est un ami, je fais ça pour son bien. Hein. Non, arrêtez. Faudrait au moins. Écoutez, voilà, il au moins. Pas de monsieur l'agent, il n'a semaine... pas de preuve, premièrement. Et deuxièmement, si, c'est si, un peu facile. J'en donne ma parole. Non, n'importe quoi, c'est... Guy. Guy, arrête tes conneries tout Il tout m'a tout. Agressé. Monsieur, même moi, il m'a agressé. Aller, je vais pas porter plainte, Raoul, mais juste que. Je fais ça pour ton bien, Raoul, laisse-toi faire. Allez-y, passez-lui les menottes, vous le mettez en isolement au moins 10 minutes, ça lui fera du bien. Non, mais arrête tes conneries. Le temps si qu'on fasse les besoin, papiers, monsieur... tout ça. Que... Alors, comment vous voulez avoir une assistance médicale en même temps? Moi, je avec la bien, camisole c'est... qui c'est va avec. C'est monsieur-là qui doit avoir une thérapie parce qu'il imagine n'importe quoi. Enfin, c'est lui. Vous c'est le lui voyez, qui de toute façon, à savoir qu'il n'est pas premier, très net. Hein. C'est lui qui est venu en premier, hein. Ah pardon, c'est lui qui est venu en premier. Bon, je dégage, au revoir. Non. Regardez, j'ai encore la cicatrice et tout. Ne le laissez pas partir. Arrêtez vos conneries, monsieur. Arrêtez vos conneries. Ne le laissez pas partir. Regardez, il vous résiste, il vous résiste. Je vais l'aider. Je veux voir ça. Il va le choper. Il va le choper. Je rattrape. Il y a des grands pas comme ça. Allez Raoul, reste tranquille Raoul. Coopère Raoul, tu coopères. Tu coopères. Il est fou. C'est hors la loi ce qu'il a fait là, monsieur Maud, de dire n'importe quoi. Ça, c'est des preuves. Ah, monsieur l'agent, voilà. Déjà, attends, laisse-moi parler que non, ta voix, non, je la supporte plus là. C'est la troisième fois que tu fais ce coup là. Monsieur, il fait délit de fuite, refus d'obtempérer, vous l'arrêtez pas, vous lui passez pas les menottes, non, je comprends il pas. Il a fait délit de fuite puisqu'il est venu de. Il est venu de. Par lui-même. Je suis venu de mon plein gré. Comment ça, il est venu par lui-même? Laisse-moi parler, Raoul, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Comment ça, il est revenu de par lui-même? Il n'a pas été attaché pour venir au commissariat, quoi. Il est venu, il était ben, libre, quoi. C'est moi qui voulais ramener, comme convenu. Je vous dis qu'il m'a agressé, qu'il a agressé plusieurs personnes. Je sais pas, vous me dites, bon, ok, ramener, on s'était bien entendu, non? Et là, il a une autre version, et puis moi, j'ai pas de preuves. Bah, il fallait pas me dire me ramener, alors. On n'aurait pas fait séjour en isolement. Oui, mais il était pas bourré, là. Il était pas bourré. J'aurais bien voulu le mettre pas en... Pas bourré, il vient de faire un délit de fuite, quand même. Moi, non, je viens de me faire... Déjà, Guy, c'est la troisième fois que tu fais le coup, là. À l'année, sur les flics... Quand on dit arrêtez-vous et que le mec, il parle cavalant, ça s'appelle refus d'obtempérer, monsieur. Mais arrête de parler, toi, tu casses les oreilles. Parce qu'il vous donne des mauvaises preuves, t'as lu les menottes. À quoi, ah. Ah, voilà. C'est bien un refus d'obtempérer. Quand on dit arrête-toi, c'est arrête-toi, voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous faites, monsieur l'agent? Je vais pas vous arrêter, mais là, il faudrait que je vous maîtrise quand même un peu, parce que là, vous m'avez l'air un petit peu bourré, excité, quand même. Un exactement. Je suis sur la voie monsieur, publique, je... Monsieur, c'est... je suis énervé, c'est tout. Il a un pet au casque, ce mec-là. Il a vraiment un pet au casque. Oulala. Non, c'est bon, on a fini cette conversation, maintenant. Ouais, bah venez avec moi au comico, là, on va un petit peu discuter, tu vois, mais sagement. Tu vois, je t'arrête pas, on va juste un petit peu en discuter, si t'as besoin de café, correct, Raoul. De café, voilà, tranquille. Moi, je t'arrête. Calme-toi, histoire de te calmer, tu m'as l'air tendu, Raoul. Voilà, viens au comico, bois de café, discute un petit peu avec moi, et le temps que ça redescende un peu, quoi.
Non, je crois que je vais quitter, je crois que je vais quitter la ville plutôt. Moi, ça sera tranquille ce soir. Mais non, je suis pas méchant. Tu vas pas quitter la ville pour moi. Écoute, tu vas bouder. Ah non, tu vas pas quitter la ville pour ça. Et je te fais rien de mal. Juste que tu boives de café et que ça redescende un peu, quoi, tu vois. Attention, il va vous faire le regard du chien battu, mais croyez pas à ça. Il va dire c'est plein de conneries là, mais faut pas le croire. Bon. Vous laissez pas influencer, monsieur. Je suis le seul en service là, personne. Il y a personne de plus. Montrez un peu de, de poigne là. Allez, Raoul, je dois le suivre. J'ai envie qu'il m'accompagne comme un ami. On n'est pas là pour. Je veux que tu m'accompagnes comme un ami. Tu bois deux cafés, on discute un petit peu. Comme ça, ça redescend, tu repars, tu vois, tranquille, quoi. Histoire. Moi, j'ai pas envie de t'arrêter, j'ai pas envie de te mettre tes menottes, j'ai pas envie de faire du spectacle devant des gens. Tu me suis comme un ami. Je t'offre deux bons cafés, tu vois. Je vous laisse, moi, on m'appelle, monsieur. Ouais. Je vous remercie en tout cas de vous occuper de lui. On m'appelle, c'est une urgence. Ouais. Viens avec. Viens avec. Ah putain, là je l'ai mis dans la merde. Il va lui parler de 200 ans et il va péter un plomb. Voilà ce que c'est un troll, Raoul. Ah putain, pauvre Raoul.